J'aime des îles lundi, ce qu'on investit, tu m'en situation difficile en pile. Maladie a en pile complication. C'est bon, j'en science, médecine scientifique à médecine feuille qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. En bon docteur, ça n'y est pour nous faire, ce diagnostic là d'abord. Fais examen yo, tout de suite, après pour qu'on qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade là. C'est dans le dialogue et la concertation, nous avons fait choix, M. Normil Rameau, pour le directeur général, par intérim, la police nationale. M. le directeur général AI de la police nationale d'Haïti. C'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir, que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti, et d'autre part, à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant, contre-rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, Monsieur le Directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaure un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. La police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces. Car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, Monsieur le Directeur Général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être, cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrées à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que la question de sécurité est devenue tellement complexe qu'elle sollicite l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale.
C'est une responsabilité collective que nous, nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour le rétablissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos voeux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, Monsieur le Directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Les appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés, j'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, mon moment à vivre là pas à sous-estimer. Mais par contre, depuis 2 semaines, moi là, effectivement, moi j'ai le sentiment que je n'ai pas avancé dans la bonne direction. La première fois depuis moi-même que je suis politique, des entités qui généralement combattent une lotte arrivent en Tanyo. Il est arrivé, font compromis, son type de gouvernement de transition. Il est arrivé en tant que son premier ministre. Il est arrivé en tant que son gouvernement. Et je dis, il est arrivé en tant que son chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Je me sentis un mouvement et je me sentis que la population commence à reprendre confiance dans nous. Son gros responsabilité liée. Qu'on est grand pile dans nous qui a boumé depuis plusieurs années. Qu'on est grand pile dans nous qui a fait un pile sacrifice depuis un pile année. Je me demande de nous qu'on ferme avec nous. Kembe ferme. Nous pas loin. Nous pas loin. Et nous avançons. Nous comptons pile que nous avons déjà accepté la responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer la question de sécurité à droite. Nous pas perdre une seconde. Nous pas perdre une minute. Nous avons commencé le travail tout de suite. Pour nous voir qui ça nous a fait. Un, pour nous renforcer la police, pour nous battre la police, tout ça le besoin pour faire le travail. Pour nous rassurer les policiers. Pour nous assurer famille policière tout qui accompagne le travail ça, pour nous garder comment on a intégré l'armée mieux dans le combat, pour nous mener la population comme partie prenante de l'effort à faire, pour nous faire toute entité l'État jouer rôle, pour nous reprendre zone métropolitaine. C'est ça objectif là et nous pourrons le faire ensemble et nous voulons que nous comptons sur nous. Merci beaucoup encore une fois, merci Monsieur le Président de nous avoir accompagnés aujourd'hui et merci à vous tous d'être présents en ce jour vraiment particulier de l'installation du nouveau directeur de la police nationale. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir, partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La police là pour joindre en pile moyen pour lui faire travail. Nous battons bravo pour l'autorité centrale. Nous devons maintenant tous battre bravo pour le président du conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même conditions de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, c'est pour lui un plus gros choix de bataille. Nous.
le Premier ministre Dr. Gary Conny, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélisme. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Cette installation intervient à un tournant décisif de la vie nationale. Le pays connaît des moments obscurs. Le centre-ville de la zone métropolitaine est délabré à cause de l'insécurité grandissante. Les gangs, selon les données disponibles, occupent plus de 70% de la capitale. L'avenir de notre pays est sombre. Nos jeunes sont découragés. Ayant perdu l'espoir, ils laissent le pays. Nous en sommes là. Responsables, nous devons agir avec intelligence, mais surtout avec courage et détermination. Jean-Pierre Yaïla, nous avons besoin d'un PNH qui tout près population. Un PNH qui a pénétré la communauté, qui a arrivé dans la zone abandonnée, pendant que les examens sont arrivés plus rapidement dans la zone saillie. C'est pour nous casser plus fort lien avec la population. Nous recommandons une vraie police communautaire parce que j'ai eu besoin d'un rapprochement avec la police. Là. Dans ce sens, ça, c'est un moyen pour réduire la criminalité avec un contact permanent. C'est un moyen pour respecter et puis faire respecter le règlement avec la loi. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Conny seront toujours aux côtés du haut commandement de la police nationale pour lui apporter tout l'appui nécessaire dans l'exercice des nouvelles responsabilités qui vous sont confiées. Monsieur le nouveau directeur général AI, je vous souhaite bon travail et du succès continu dans cette noble tâche qui consiste à établir la tranquillité dans les rues de la capitale et celles des villes de province. Jouette pour population attendue.